Je vous remercie, messieurs, de votre soutien également tout au long de cette organisation. Merci à vous. Aux côtés donc de celui qui a effectué le sans faute au niveau de cette épreuve, que ce soit sur la première, la deuxième, que ce soit également sur la troisième étape, puisque respectivement donc du côté de Perosguira. Le passage, prochain tour, messieurs les cadets, prochain tour, ce sera la première file de la semaine jusqu'à l'heure. Allez! On a 7! Allez! Nouvelle prime de la journée, et il y aura prime également qui va se tenir à un tour de l'arrivée. Initialement le passage, je rappelle le point pour le chiffre 4. Prochain tour, messieurs, prime. Allez, 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 allez. Romain Bidon. Allez, allez, qui va se tenir à un tour de l'arrivée. Passage, deux à présent donc à l'entrée du dernier tour avec juste alors la nouvelle prime. Va plus loin. Allez. L'arrivée avec trois coureurs sur les avant-postes. Mesdames et messieurs, que ce soit avec Kylian Lebion, que ce soit avec Bolodia Juvenile, tout comme également avec Mathis Lebert, vous pouvez l'applaudir comme il se doit donc à la belle victoire. Mathis Lebert en première position, deuxième position, ce sera cette fois-ci Kylian Lebion. Alors qu'après donc, on se retrouve, que ce soit avec Bolodia Juvenile, qui était pour sa part pour la troisième place. Que ce soit d'une part avec Lilian Jouangeon, le porteur du dossard numéro 2, celui qui a été l'an passé le troisième sur le circuit de l'Estavan au courant du mois de septembre. Le voilà qui sera opposé, notamment c'était le cas avec le jeune écolant de la formation de Lucie Priochine. Ce sera l'arrivée dès à présent sur les lignes. Écolant qui sera, en quatrième position. Confirmation donc pour le petit fils d'Alain qui termine. Tente lui en quatrième position, juste après donc, cinquième position, un cadre de première année, Lilian Jouangeon qui est... Attention, attention, ce sera l'arrivée pour la sixième place, messieurs les cadets, l'arrivée dès à présent pour la sixième et septième place. Avantage aux abords de ce podium d'animation, je passe à voir avec le cabinet de service. Félicitations puisque cette fois-ci donc... Pour ce qui est de l'arrivée, c'était Marc, le nouvel le citoyen de l'enfant, qui prend le meilleur par rapport à Nolan Mathieu, le champion des côtes armoires de poursuite de la course au point de l'américaine. Le sprint également qui sera imparable. C'est l'arrivée, 8e place en jeu. C'est l'arrivée, monsieur. Arrivée, le leader au niveau de cette partie. Allez, on va. Allez.
Ouais. À la lisière des coups d'armeur et du 35.